fleurs, c'est génial. Alors on continue comme ça. Hein. Ça veut dire qu'il faut les battre, hein, les candidats ce soir. Peut-être une deuxième victoire. Oui. Domenico, spécialité laquelle? Alors l'histoire et surtout les grands conflits mondiaux. Nicole? La littérature et notamment l'œuvre de Marguerite Duras. Oui, Luc? L'histoire et plus précisément la Troisième République. Eh ben voilà, c'est parti, quatre candidats. On est prêts pour le jeu. Bonsoir, soyez les bienvenus. Le rendez-vous du champion, c'est maintenant. Accueillons comme il se doit, Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, nous sommes le 16 janvier, vendredi 16 janvier, on va se régaler, un bon moment de jeu télévisé, les candidats, William. Oui Julien, de nouveaux visages, nous avons le plaisir de découvrir cette fois-ci en pleine lumière, voici Luc, Nicole, Domenico, sans oublier Fleur, notre belle championne en route pour une deuxième victoire. La cagnotte, elle, eh bien elle est de plus en plus belle, le montant, le voici, 47 300 euros. Combien la cagnotte, c'est pas possible. 47 300 euros, on y revient dans un moment. Fleur, quel bonheur de vous revoir après la belle victoire d'hier soir. Pareil pour moi, Julien. Franchement, ça a été un grand moment. Hein. Ouais. Grand moment. Une victoire face à Armel, 15 à 9. Comment l'avez-vous traversé ce match? Eh ben, j'étais surprise, d'autant plus surprise qu'il était très bon candidat. Fleur, ouais. Guide conférencière, vous jouez donc pour une deuxième victoire. Où habitez-vous, Fleur? Paris. Mmh. Domenico, monsieur Domenico, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, un petit peu de Kenji, hein, un petit peu de Kenji avec la barbe. Il a le look Kenji. Tout le monde me le dit. Bah bien sûr, mais vous faites tout pour ça, j'imagine. Hein. Tout à fait. Mais vous avez eu une vie avant Kenji. Oui, c'est-à-dire qu'avant Kenji, j'étais Domenico. Maintenant, ah, oui. Je sais. 22 ans, Domenico. Recherche d'emploi, on va vous aider. Recherche d'emploi, un poste dans la vente, dans la logistique, magasinier. Oui, pourquoi pas. Pourquoi oui. pas. Où habitez-vous, Domenico? Alors, j'habite à Liège, en Belgique. Liège, d'accord. La Belgique. Nicole, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, Nicole, ma sœur, kinésithérapeute. Et travaille avec des ados, des adolescents handicapés moteurs qui sont sympas comme tout d'ailleurs. Tout à fait. Où habitez-vous, Nicole? À Saint-Pé-sur-Nivelle. Bonne chance, Nicole. Et Luc, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, dans la vie, Luc. Et boulanger. Boulanger, bien, voilà, un beau métier, boulanger, bien sûr. Il aimerait bien ouvrir une boulangerie à l'étranger, mais où ça exactement? Au Brésil, au nord-est du Brésil ou en Guyane française. En Guyane française, d'accord. Vous êtes basé à Grasse. Voilà les quatre candidats de ce soir. Cagnotte. 47 300 euros. Bonne chance aux quatre candidats, à vous quatre, je vous souhaite de gagner, tout comme nos trois téléspectateurs dont les noms s'affichent actuellement sur votre écran. Là, bravo, félicitations à vous. Donc, cagnotte 47 300 euros et 5 victoires pour la décrocher. Voilà, j'ai tout dit. Première manche, le 9 points gagnant. Allez, au départ, les candidats, vous jouez à la maison en même temps que les candidats. Bien sûr, les trois premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche. Autrefois, quelle pièce de l'armure un chevalier outragé, Nicole? Le gant. Oui, le gant. Très bien. Premier point pour Nicole. Donc, quelle pièce de l'armure un chevalier outragé jetait-il au pied de son adversaire pour le provoquer en duel? Le gant. Quel est cet établissement? Établissement public français créé par un décret du 18 juin 1993, chargé de la prévision de l'étude des phénomènes météorologiques. Monsieur? Météo France. Voilà, Météo France, d'accord. Là aussi, réflexe, vous l'avez tous les quatre à la maison, c'est sûr. Quelle association française d'utilité publique reconnaît-on à son logo noir et rose, fait d'un cœur entouré d'une Domenico? Les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, voilà, d'accord. Logo noir et rose, fait d'un cœur entouré d'une fourchette et d'un couteau. Les Restos du Cœur, bien joué, Domenico. Un fleuve. Amérique du Sud. Ah oui. L'Amazon. Bien joué. Ah ben oui, mais là... Il est rapide. Mais j'ai pas fini la question. Il prend des risques. Quelquefois, ça paye. C'est l'Amazon, Amérique du Sud, prenant sa source dans les Andes, qui draine le Pérou, le Brésil, l'Amazon. Un vin, donnez-moi ce vin prestigieux, élaboré entre Orange et Avignon, qui doit son nom à l'ancienne résidence d'été des papes. Oui. Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape, exactement. Eh oui. À consommer doucement, bien sûr, en Formule 1. Formule 1. Ah oui, ça, alors là, ça, c'est incroyable. Formule 1. Dans quelle ville? Ça se passe dans une ville. Dans quelle ville les principautés, les pilotes? Ah oui, Domenico. Monaco. Monaco, d'accord. «
truc de fou, c'est un travail incroyable que fait la Principauté de Monaco pour organiser ce Grand Prix de Formule 1 chaque année dans la Principauté, dans la ville, le virage de Sainte-Dévote, notamment ce Grand Prix fantastique, Grand Prix de Formule 1 de Monaco. 1277. 1277 en Italie. Quelle campanile inclinée. Voilà. La Tour de Pise. La Tour de Pise, d'accord, bien sûr. Campanile inclinée, consolidée par Giovanni di Cimone. 1277, la Tour penchée, d'accord. À quel embranchement d'animaux marins dont le nom est... Ah oui, Domenico. Les cétacés. Ça, c'est non. Dont le nom est notamment formé sur le grec signifiant hérisson. Oui, Fleur. Échinoderme. Ça, c'est bon. Bravo. À quel embranchement les étoiles de mer et les oursins appartiennent-ils? Échinoderme, d'accord. Une chaîne de télé. J'en parle souvent de cette chaîne de télévision qui permet la diffusion de programmes. Ah oui, oui, Luc. France 5. Eh non, qui permet la diffusion. Milico. TV5 Monde. TV5 Monde, d'accord. Quelle chaîne de télévision permet la diffusion de programmes en français dans plus de 200 pays et territoires? Dirigé par Yves Bigot en ce moment, TV5 Monde, d'accord. Et je n'oublie pas aussi TV5 Québec, Canada. Ça devient au Canada, TV5 Québec, Canada. TV5 Monde, bien joué. Une couleur, à quelle couleur associe-t-on? De nombreux tableaux peints par Pierre Soulages. Pierre Soulages. Bleu? Non, Pierre Soulages, non, pas du tout, là, Luc. Le rouge? Non, pas du tout, mais oui, Fleur. Le noir? Bien sûr. Donc, à quelle couleur associe-t-on de nombreux tableaux peints par l'artiste Pierre Soulages à partir de 1979? Grand artiste français, Pierre Soulages, le noir, d'accord. Un écrivain, quel est, alors là, vous l'avez certain. Quel écrivain, entré à l'Académie française en 73, au fauteuil de Jules Romain, et parfois familièrement appelé Jean Dau. Ma Fleur. D'Ormesson. Bien sûr, D'Ormesson. Jean Lefebvre, comte d'Ormesson. Bien joué. S'il en remplace chacune de ces quatre lettres par celle... Alors écoutez bien, je recommence tout. S'il en remplace chacune de ces quatre lettres par celle placée immédiatement après dans l'alphabet, que devient la suite B-K-T-A? Oui. B-K-T-A. C-L-U-B. Exactement, C-L-U-B Club. Voilà. Très bien. Club, bien joué, Nicole. Une branche de l'agriculture. Quelle est cette branche qui comprend la culture des fleurs, légumes, des arbres fruitiers? Oui, Nicole. Horticulture. Ça, c'est bon. Les arbres d'ornement. Horticulture. Luc, on y va, là. On y va. Celle-là, c'est un proverbe. Quel est ce proverbe biblique qui signifie lorsqu'on provoque le désordre? Oui, Domenico. Ce qu'on sème, on le récolte? C'est non. Bah là, Luc. Qui sème le vent récolte la tempête. Bien joué. Ouais. Ça y est, un point. Qui signifie que lorsqu'on provoque le désordre, il ne faut pas s'étonner d'en subir les conséquences. Qui sème le vent récolte la tempête, d'accord. C'est une pierre qu'on cherche. Mais quelle pierre feuilletée? Tendre, noire. Domenico. L'ardoise. Bien joué, l'ardoise, d'accord. Cette pierre très tendre, très feuilletée, qui sert à couvrir le toit des maisons. L'ardoise, bien joué pour Domenico, qui mène la course. En 1960, dans quel film de Visconti, Annie Girardot incarne tel personnage tragique de... Oui, Fleur. Rocco et ses frères. Ça, c'est bien. Ah, ouais. Elle incarne le personnage tragique de Nadia, aux côtés d'Alain Delon. Rocco et ses frères, d'accord. En 77, chanson d'Yves Duteil, magnifique, la joie. Oui, Luc. Prendre un enfant par la main. Voilà, d'accord. Il décrit sa joie d'avoir adopté un enfant, prendre un enfant par la main. C'est l'ami Yves Duteil. En 74, dans quelle ville espagnole? Le théâtre musée Dali. Dali est-il créé? Ville. Figueras. Ah oui, Figueras. En bricolage, quelle opération consiste à recouvrir un parquet d'un vernis spécial pour le protéger? La vitrification. Vitrification, d'accord.
en 1839. Quel roman de Stendhal a pour héros Fabrice Del Dongo. Ouais, oui, Domenico. Le rouge et le noir. Ah non. Oh. Mais allons-y, là, 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 Luc. La Chartreuse de Parme. Bien joué. Chartreuse de Parme. Quel terme ayant la même étymologie que le mot fantasme désigne l'apparition surnaturelle d'un mort. Domenico. Fantôme. Fantôme. Non, non, il a dit fantôme, c'est bon. C'est pour ce jeune garçon, Domenico, 22 ans. Chef-lieu de la Mayenne. Chef-lieu de la Mayenne, allons-y, chef-lieu de la Mayenne, fleur. Elle l'a pas, non. Elle l'a pas. Elle l'a pas. Luc. Laval. Laval. Désigné par un nom pouvant se lire de gauche à droite et inversement, ça s'appelle... Palindrome. Un palindrome. Laval, d'accord. Chez le nourrisson. Nourrisson, quelle douleur abdominale due à des spasmes occasionne. Les coliques. Coliques, exactement. La colique, d'accord. Des pleurs et des cris, c'est la colique du nourrisson, bien joué. Alors, cette question, Domenico est à 8. À partir de février 44, 1944, quel nom a-t-on donné à l'ensemble des formations militaires des mouvements de résistance, Louis ? Les forces françaises de l'intérieur. Attends, attends, répète. Les forces françaises de l'intérieur. Voilà, terminé et c'est gagné. Les FFI, forces françaises de l'intérieur, très bien. Les questions à deux points maintenant. Comment appelle-t-on l'appareil différent du parcmètre utilisé pour stationnement payant, oui. Au rodateur. Au rodateur, voilà, terminé. Qui imprime la date et l'heure. Un au rodateur. Fleur et Luc, 4-4. Hein. Donc question à trois points maintenant. Football américain, quelle action de jeu rapporte 6 points à l'équipe qui atteint la zone. Oui, Luc. Touchdown. Touchdown, très bien. Rapporte 6 points à l'équipe qui atteint la zone dans le but adverse. Le touchdown, très bien. 7-4. Vous avez, alors là, suivez-moi bien, s'il vous plaît. Vous avez dans votre portefeuille 6 billets en euros se répartissant ainsi. Un billet vert. 2 billets bleus. Un billet rouge. Quelle somme avez-vous ? Voilà ! 150. Pardon ? 150 euros. Vous avez dans votre portefeuille 150 euros ? J'aimerais. Un billet de 100, deux billets de 20, un billet de 10, ah oui. 150 euros. C'est oui ! Voilà, terminé ! C'est gagné ! Allez, Fleur, on s'arrête, hein ? Merci, Fleur. Hein. Il y a un ensemble multimédia composé d'un ordinateur, une tablette, un smartphone à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer. Bel ensemble. Quelle pierre feuilletée ? Je l'ai posée il y a deux minutes, trois minutes, la question. Quelle pierre feuilletée ? Tendre et noir sert à couvrir le toit des maisons. C'est l'ardoise, réponse 1. C'est la craie, réponse 2. Vous l'avez. Le 3243 est à vous pour vos réponses par téléphone. 3243, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Nicole, Luc et Domenico, le jeu.